Bien, voyez, ça fait abondamment réagir et on va poursuivre la discussion avec M. Jean-Paul Perrault. Il est président du mouvement Impératif français. M. Perrault, bon samedi. Merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Écoutez, c'est comme vous le savez, comme vous le mentionnez, c'est encore une fois un signe d'agression. Ça ne passe pas pour vous, hein? Ah, bien, c'est révoltant, madame. Vous savez, on arrache le français, là. On l'efface. On nie même son existence. Il se passe des choses là, dans le sens de la vision canadienne. Lorsque la vision canadienne s'installe au Québec, le français perd de l'importance. Et dans bien des cas, avec le temps, le gouvernement canadien, par ses programmes de subvention, par sa vision, par sa philosophie, crée des circonstances qui font que ce genre de situation ne va qu'en augmentant. Ce que l'on voit là sur nos écrans de télévision, c'est un geste d'agression contre ce qu'est le Québec, contre l'identité québécoise, contre ce que nous avons bâti à partir de notre géographie, de notre histoire. C'est contre notre vision de l'avenir. C'est un geste qui mérite d'être qualifié de violent. Et surtout qu'on n'invoque pas l'ignorance, parce que la loi sur les langues officielles canadiennes existe depuis à peu près 50 ans. Ouais. Et la loi sur la langue officielle du Québec existe elle aussi depuis 50 ans. Ce sont des organismes, des entreprises, des entités agressives, des entités suprémacistes qui se laisse influencer par la projection de ce que l'image du Canada veut avoir. Mais et l'image que ce que le Canada veut avoir, soyons clairs, là, c'est tout anglais mur à mur. On le voit. Trouvez-vous ça normal? Parce que là, on parle d'une organisation, c'est Montréalais, là, en plus, comme équipe. Là. C'est pas l'équipe de Toronto, c'est pas l'équipe dans l'ouest du pays. Là. C'est l'équipe de Montréal. Trouvez-vous ça normal qu'un mouvement comme le vôtre, par exemple, soit obligé de sortir là, dans les médias comme ça pour qu'une situation comme celle-là puisse changer? Chez nous, là, c'est dans notre cour. J'ai des indécrottables, si vous me permettez l'expression. Soyons clairs, ils auraient besoin d'être récurés à la laine d'acier. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux lois qui encadrent l'aménagement linguistique au Québec et au Canada, ce sont des lois qui reconnaissent aux Français ce qu'il est de toute façon, qu'on ait besoin de loi pour le dire. Ça prouve encore une fois qu'il y a de la répression, de la francophobie, de la haine de ce qui est français. Et on le voit se manifester là. C'est même plus de la haine. Nous n'existons plus d'avoir créé cette vidéo-là en anglais pour voir s'il n'y a pas de producteurs capables de créer des vidéos en français et d'excellentes vidéos et parfois même meilleures que ce que l'on retrouve dans le domaine des vidéos anglais. Ouais. Alors écoutez, il n'y a pas d'excuse. Ces gens-là, ces responsables en arrière de ça, méritent d'être sanctionnés, mérite d'être rappelé à l'ordre sur la place publique. Bon. Et je dirais même plus que ça, là. Quand on réalise qu'on a fait une erreur de cette ampleur-là, qui touche l'ensemble de la société québécoise, la diversité culturelle linguistique mondiale, qui touche également toute la francophonie nord-américaine et canadienne et internationale, voilà. Vous comprendrez avec nous que là, et ça demande beaucoup plus que ça. C'est pas un petit geste anodin, ça. Là. Ça demande des excuses de la part de cette équipe, de cette ligue sur la place publique. Et j'ose espérer que vous réussirez à les obtenir comme cadeau de nouvelle année, en indiquant très clairement à tous ces agresseurs, à tous ces prédateurs culturels, qu'au Québec, sans exception, c'est en français que ça se passe. M. Perrault, je vous rappelle, vous êtes président du mouvement Impératif français. Le message a été lancé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Joyeuse fête. Ça m'a fait plaisir et bonne année à tout le monde. Au revoir. Une bonne année tout en français, tiens, au Québec. Merci.